Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2 avec la convoitise norvégienne. Épisode précédent, nous avons pris un bout d'Écosse, il me semble, et c'était pas plus, on avait presque rien fait. Quelques révoltes, mais... Et donc, on avait également fait une chose, c'était la grande file souterraine. Alors... Il n'y a personne qui a proposé de nom, donc vous pouvez toujours en proposer. Je pourrais toujours le changer à l'avenir. En attendant, je vais l'appeler... Attendez, je vais le lire, comment je vais le faire lire. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? En fait, c'est simplement ville souterraine en norvégien. Voilà. Bon, je vais pas le reprononcer parce que je vais pas parler le norvégien, mais voilà, en gros vous avez l'idée. On va attendre hein, pendant un moment, on est à 20%, donc on va laisser descendre encore un peu. Et après on partira en guerre, d'accord, partira en guerre ici sur le Pays de Galles. Et ensuite également chez eux, hein, sur les Irlandais, je déclarerai plein de guerres en même temps pour faire un maximum de terres, pour rapprocher du 80% de contrôle des terres de la Grande-Bretagne. Mais je vais grimper en flèche sur mon score et après il faudra attendre des guerres externes. Ah, je ne suis pas marié. Allez, Osef, on prend elle. Je suis honnête. Très bien. Non, mais moi, c'est lui que je veux. Déclarer la guerre. J'ai toujours pas d'autre chose à part le récupérer ceci. De toute façon, tant qu'on est encore une menace, ça devrait plus durer très longtemps. Ah ben voilà, on est mort. Le roi Harald IV a rendu l'âme. Il est mort de cause naturelle à 72 ans. Ça a 72 ans. Sa tempérance était connue de tous, n'ayant jamais laissé ses bas instincts prendre le dessus, un homme qui fit preuve de dévotion et qui a rejoint Dieu à présent. Roi Magnus II lui succède, maîtrisant plusieurs domaines de compétences, il sera sans doute admiré par ses sujets. Longue vie à Magnus, désormais notre roi. Pas mal. Deux secondes, dirigeant nous couronner, on va commencer par dire que notre intérêt est ici. Est-ce qu'il est en pause? Il n'est pas en pause. Ici, chancelier, et je vais changer mon maître espion aussi. Toi, maréchal. Toi. Maître espion. Ce sera toi. Ici, organiser un grand tournoi. On va commencer par organiser un couronnement. Par le pape. Et mon objectif, ça va être de préparer la succession. Très bien. J'ai trop de terres, faut que je regarde, est-ce que... Ah mais oui, est-ce qu'il n'y a pas genre des terres où j'aurais... Bah oui, j'ai tout ça. Fine marque de jure. Je vais le créer, je vais le donner. Accorder un titre foncier, duché de fine marque et tout ce qui est en dessous. Félicitations, donc là j'ai plus de terres en trop. De jure, c'est tout ça. Je vais le donner à lui en espérant qu'il... Qu'il le divise plus tard. Accorder un titre foncier. Duché d'Oppland. Investiture papale. Je m'en fous, je voulais le faire. Une cérémonie digne parce qu'on n'est pas hyper riche pour le moment. Bienvenue. Je peux pas lui déclarer la guerre. Pourquoi? Parce que c'est lui son chef. Voilà, je suis roi. Je vais aller observer un autre couronnement, je pense. Ah, il est en guerre contre la Bretagne. Super. What? Que vient...
What? J'ai rien compris. Mon frère qui était, il est mort. Blessure grave, d'accord. Ok. Tiens, toi tu m'aimes pas. Toi. Ou toi. Je vais accorder à toi. Toujours des terres en trop. Ça me plaît pas en fait parce que je viens de perdre ma terre et je... Ouais, ça me fait chier. Chancelier, ok. Maréchal, ici. Là, il faut que je trouve quelqu'un à ma cour. Charger le filtre 0. Toi, allez. En fait, ça sert à rien. Ah non, je l'ai. Fuck. Accorder un titre foncier. Tout ce qui est en dessous de Viken. Ici. Organiser une cérémonie de couronnement encore. Oui, on va le faire. On n'a pas le choix. Sérieusement, ça. Plus jamais je vais dans un... participer à, à un autre couronnement. J'ai été blessé pendant un autre couronnement. Mais qu'ils iront se faire voir. Non, va te faire voir le pape. Matériel de siège, construction, naval. Ici, on va construire un observatoire en attendant. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas le droit à une guerre sainte, il est juste excommunié. Je vais pas lui déclarer la guerre gratuitement, quoi. Bon, je suis pas mauvais, mais... voilà, quoi. Mon père... Bah, il est quoi? Il est sanctifié ou il est béatifié? Béatifié. Toi, tu seras fier. Organiser une série de couronnements par un puissant évêque. On va accepter. Ah, révolte cathare, tiens, ça faisait longtemps. On est combien ici? 5000, ça devrait être suffisant. Pour Sandor, très bien. Sérieusement? Tiens, est-ce que je suis dans une société? Non, va. Je rejoins les hermétistes. Voilà, je suis roi. Mais j'ai pas été couronné par un pape, donc apparemment c'est pas cool. Tant pis. Couronnement sur le champ de bataille. Voilà, toi, poubelle. J'ai même pas eu à... Et tu vas être... Tu vas prononcer tes voeux, tiens. Pouf. Et l'autre, c'est un cathare, exécution. Ah, très bien. Parce que là, là quoi, les cathares, il y en a partout. Hein. Hop, tu vas venir maintenant. Ici.
Offrir paix. Organiser un grand tournoi. Faisons-le. Parce que dans mes vassaux, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Bon, il y a quelques personnes qui ne m'aiment pas, mais ça passe. Dont mon fils. Ah non, mon neveu. Alors, on est à combien? 13%. Si l'objectif... Ah tiens, bah avec lui, je pourrais lui redéclarer la... Oui. L'objectif avec eux, ce sera tous les vassaliser de force. Et je ferai la même chose avec le nord de l'Irlande. Juste pour savoir si je veux Angleterre. Ceci, j'en suis à 55%. Et donc, 55%, j'ai 47 territoires. Il faudrait rajouter peut-être une vingtaine de terres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il faudrait la moitié nord de l'Irlande. Ça va faire une très très grosse guerre. Ça a piqué. Moitié nord ou moitié sud, hein, mais... Naissance des assassins. On connaît l'événement. Pour le moment, on n'en a rien à faire. Et donc, on est à combien? 10%. Oui, faisons ceci, des nouvelles routes. Pas besoin de nouveaux habits. Bah si, on va te convoquer le tailleur, très bien. Youhou. Sérieusement, encore? Sauf qu'ici, c'est où? Oh, sérieux. Hop, voilà. Pâle, c'est mon fils. On va l'appeler Alfdan. Je vais aller à Rouen et on va envoyer des gens à Rouen. Il n'y aura même pas eu besoin, c'est ça? Eh ben bien joué les Normands. Trouver des textes hermétistes.
Jusqu'en Alexandrie, jusqu'à Sortavala. On va aller jusqu'à Sortavala, pas Alexandrie. Alexandrie, c'est beaucoup trop loin et c'est en terre dangereuse. C'est un courtisan, tu vas être patient, tu vas te calmer, merci. J'ai trop de terre, encore. Bah, je vais donner celle-ci à n'importe qui. À mon neveu, je peux pas. Famille. Lui, c'est mon héritier, mais toi, accorder un titre foncier. Westmoreland. Voilà, comme ça, tu m'apprécies. Après, je sais pas si en Irlande je pourrais en faire beaucoup, alors si je pourrais en faire qu'un, mais... De toute façon, on va se prendre tout le pays de Galles, ça c'est sûr. On a combien de points hermétistes? 500 et des poussières? Wow. On est pas mal. Écrire un théorème et se procurer des ingrédients. On ira dans les collines et je vais demander de l'aide à ceux qui m'entourent. Commander une pierre unique. Mon père. Ma mère, mon père, bien évidemment. Bien, des points. Bon, c'est des événements qui sont connus, qu'on a déjà eu plein de fois, donc je les passe vite. J'essaierai d'être un peu plus doux sur d'autres, mais... Pourquoi tu ne m'aimes pas? Envoyer un cadeau. Tu m'étonnes qu'il ne m'aime pas. T'es un cathare. Et toi, t'es qui? Ah oui, toi, t'es le fameux. Mémoire de Harald, un saint au paradis. Donc, mon grand-père est un saint, et donc... J'ai double lignée, j'ai le sang d'Harald le Bon, unificateur de la Norvège, et j'ai le sang d'Harald Ingling, Harald Re, et là, c'est Harald qui est un saint. Très bien, on a deux lignées de saints pour le moment. Ah, ici, il y a... J'ai les deux. Campland, créé. Alors, toi, tu m'aimes bien et toi, tu m'aimes moins bien. Sauf que toi, je vais pouvoir te faire convertir, accorder un titre foncier. Tout ce qui est en dessous de Jämtland. Exiger une conversion. 5 herbes ajoutées. Très bien. Quand on veut, on peut. Ah, c'est l'heure. Est-ce qu'il y a encore la coalition contre moi? Non, pas de coalition contre moi. Ok, c'est parti. Toi. Déclarer la guerre. Vassalisation forcée. Toi. Déclarer la guerre, vassalisation forcée. Osef. Mes vassaux seront pas contents, je m'en fous. Déclarer la guerre, vassalisation forcée. Je ne peux pas, pourquoi? Fuck you. Guerre sainte, ça je peux. Ouais, je peux, mais ce sera pas hyper utile. Déclarer la guerre. Vassalisation forcée, je ne peux pas. Ah, j'ai pas le prestige. Fuck it. Là je peux pour lui. Très bien. Là je ne peux pas. Ça
Ça, je m'en fous. Par contre, lui, je peux faire une guerre sainte en plus. Alors, ils sont très fâchés, mes gens, mais... Fallait s'en douter. Ok, ici. Je vais l'envoyer immédiatement, oui. Commençons par attaquer ceci. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple à... pour lequel commencer. Construire un labo. Une installation... C'est contre lui. On va attaquer ça, ça et revenir. Et ici... Eh ben parfait, ils m'ont attaqué. On va voir où ils vont. Pour le moment, on va pas s'en occuper. C'est ceux-là. Donc ceux-là, franchement, ça ira très vite. Ah, et là, je peux passer un grade. Donc je vais le faire. Non, je vais... En gros, pour le labo, j'achète tout ce qui est possible pour avoir le plus beau labo possible, plus beau et plus gros labo possible. Et là, on va refoncer ici. Je vais l'ignorer. Ah non, tu vas pas me voler ma place, toi. Ouh, je suis déjà une menace à 6%, ça passe. Une fois que j'aurai pris tout le reste, ce serait un peu plus que 6%, mais en attendant... Juste pour savoir, vu que j'ai pris un territoire de plus, j'en suis maintenant à 56%. Yeah. D'accord, offrir paix. Menace à 20%. Est-ce que j'ai le Pays de Galles, je peux le créer? Pas encore, mais je pense que quand j'aurai ça, je pourrais. Ah non! Le rebelle, ça va pas le faire. Offrir paix.
Bien sûr qu'ils rejoignent tous le pacte contre moi, c'est logique. Je suis une menace à 25%. Rien faire. Si on veut plus de légalisme, voilà. Je publie mes découvertes et je deviens érudit. Je continue à rechercher mes recherches en secret, je deviens érudit. Là, j'ai une chance d'être appelé le sage, l'habile, l'érudit ou l'antique clérical. Ou alors, non, j'obtiens zélé. Ou alors, ben, je vais publier, bien évidemment. Et je suis quoi? Je suis le sage. Alors, fusionner en... en bateau, merci. Et on va aller se poser là. Il est en guerre contre Powys, c'est triste. Et ici, c'est Debarth qui est en train de prendre ceci. Mais lui, il va finir sa guerre très vite. Ça se sent, on le sait. Je vais défoncer les armées du rebelle et ainsi, il n'y aura plus de rebelles. Voilà, plus de rebelles. Non! What? Et je suis roi de quoi, moi? Putain, mais ils ont tous crevé aujourd'hui, hein. C'est pas possible. Bon, ce qui est bien, c'est que je suis un jeune. Chancelier, eh ben, je me fais détester, c'est très bien, ça. Faction dangereuse, il va falloir tous leur donner de la thune encore. Et il possède tout, tu sais, toi je peux te créer Galloway. Et te le donner, accorder un titre foncier, duché de Galloway et tout ce qui est en dessous. Ensuite, toi. Greenhead, bah tu es normal que tu ne m'aimes pas. Ici, ça va être facile. Je ne peux pas parce qu'il y a quelqu'un dessus, super. Dirigeant non marié. Alors là, je vais pas faire le con, je vais réfléchir. Et je vais voir si chez mes voisins, il n'y a pas une fille. Par exemple, toi, tu as quel âge? Tu as 22 ans, mais tu es marié, très bien. Ici, chez lui. Toi, tu n'es pas marié. Arranger un mariage entre elle et moi, il veut bien. Je les garde. Tout le monde est concerné, très bien. Commander une pierre runique pour Magnus. Accepté. Voilà, on la connaît, la pierre. Alors ici, des enfants sans intérêt d'éducation, tu vas être là-dessus. Voilà, il y en a d'autres. Toi, tu vas être un fier combattant. Bon, il va pas aller loin avec ça.
Encore une hérésie cathare et super, bah oui, bien évidemment. Accepté. Et donc le révolté, il est en révolte, d'accord. Que puis-je créer? Je peux créer le petit royaume, d'accord. On est très bien là. Maintenant je peux nommer ceci comme endroit, là. Ça avance doucement. Quelle est dangereuse, c'est celle-ci, hein. Non, toi je peux t'envoyer un cadeau, très bien. Toi, je peux. Toi, je peux. Il y en a quelques-uns qui vont... Toi, je ne peux pas ici. Je ne peux pas. Toi, je ne peux pas. Espérons que ça les calme un peu. Bon, par contre, ça va pas les calmer. On est remonté à 30... On est remonté que à 30% par contre, si on regarde. Hein. Je peux pas offrir de se joindre à cette guerre-là, non. Et juste pour savoir ceci, 62%. Ça, il me faut juste 200 de piété et 300... Ah bah c'est l'argent qui me manque, ça devrait le faire. Niveau Thunas. Voilà, là on est bien, plus de guerre. On va pouvoir organiser un grand tournoi pour commencer. J'ai plus d'argent. D'accord, super. Est-ce qu'il y a du monde à libérer? Roi croisé d'Osvult. Ah ben on va... On a notre prochain objectif ici. Toi, je t'ordonne de prononcer tes voeux. Ah ben vous savez quoi, d'Osvult, on va le rejoindre. Ah non, c'est la formation des rois croisés, mais il n'y a pas encore de... Très bien, on ira quand même le rejoindre. Juste pour voir dans les lois de succession. Il y a encore quelques personnes, mais il faut absolument qu'on ait plein d'enfants. Donc je vais passer mon intérêt en famille. Je ne peux pas. Conversion de Vel... Très bien. Ça va, l'argent va remonter. Voir se faire couronner et on partira en croisade. Mes hommes iront vers Jérusalem. Quelle malchance ici. Position. Mon bénéficiaire aura les titres. Choisir. Bah, ce sera pour ma tante. Je suis dedans. Et ici, est-ce que je peux faire? Ah, je peux pas faire de don. Ici, je vais organiser une série de une cérémonie de couronnement. C'est qui? Mon beau-père? Non. D'ailleurs, faut que je lui demande une alliance à lui. Forger une alliance, il ne veut pas. Jurer fidélité, va te faire foutre. Quelques-uns qui sont mécontents, il y en a un qui a 100%, c'est quoi? Du pouvoir au conseil. Le conseil a pas mal de pouvoir, donc... Maréchal, je vais pouvoir peut-être le changer par lui. Et c'est... Non, il y a le conseiller random ici, je vais te renvoyer du conseil, mec.
nommer quelqu'un qui m'apprécie correctement. Crotte, ils sont où le truc des rois croisés ici? Je peux quand même pas faire de... Organiser une cérémonie de couronnement. Le pape encore, on essaie. Non mais arrête, tant pis, la prochaine fois je demande à un simple évêque. Hein. J'ai des revendiqué. What? D'où, depuis quand c'est devenu français ça? Oui. Déclarer la guerre, appuyer toutes les revendications. Depuis quand c'est français? Non mais oh. Je sais pas sur quoi. Bergensus et Ford. Donc Soigne restera français, c'est ça? Je ferai une guerre. Je perdrai des traits, je m'en fous, mais je ferai une seconde guerre contre eux. Rien à foutre. Depuis quand la France hérite de mes terres comme ça? Je vois pas en fait c'est lequel qui s'est emparé de mes terres. Comment il a pu tomber aux mains des Français, je ne vois pas donc. On verra avec ça, on va faire plusieurs voyages. Allez. Victoire. Victoire, et c'est l'autre, c'est Bergensus. On va pas s'attarder là-haut. Ok, bah, Deus Vult, ça attendra. Non, parce qu'ils m'ont... Ils me font bien chier, donc je vais récupérer ce qui m'appartient. Normalement, je devrais aussi avoir une revendication sur ça. Je comprends pas pourquoi j'ai pas là-dessus, mais bon. Partira peut-être en croisade à partir de cette armée qui... Donc je rassemble des bateaux. Quoique non, à mon avis non. Vu l'échec que l'on a, on retirera un peu. Falloir affronter cette terre. Là, on a tout ce qu'on demande, donc ça va grimper. Ah tiens, mid. Je
peux créer le royaume du Pays de Galles. Je le fais. Et Pays de Galles, succession. C'est par ancienneté aussi. Très bien. Est-ce que tu veux te proposer une vassalisation? Non, il ne veut pas. Pourtant, je suis ton suzerain de jure. Et on a passé de guerre. Ok, super. Génial, je kiffe ça. Ok. Donc, il faut que j'éclare la guerre à la France. France qui a 5000 troupes, donc ça devrait le faire. Déclarer la guerre. Suisse, Ford. Ah, mais là, je peux faire la revendication ducale. Oui. Je prends. Est-ce qu'il y en a un qui coûte pas cher? On se fait combien? On se fait 15. À mon avis, c'est trop. Non, ça je m'en fous. Ici, tu vas venir là. Toi, venir là. De toute façon, la croisade est un échec, semble-t-il. Moins 16%. Ça pue. C'est moins 16% parce que personne n'est encore... Bah si, ils se sont défoncés en fait, j'ai l'impression. Pourtant, il y a du monde, hein. Mais soit il y a personne qui a pris de terre, alors que le Byzantin s'est déjà bien avancé, soit les 10 000 troupes qui sont là font du dégât. Donc je vais même pas y aller, je me suis inscrit, mais si c'est une défaite d'avance, hein, moins 35%. Je le fais disparaître. Oups, il est mort. Je me masse à 22%, mais ça va remonter. Ça, il faut pas chercher. C'est sûr que ça va remonter. Ah, les Français débarquent. Ah, lol. J'ai déjà affronté l'armée française. Quel miracle. Ah, il y a peut-être un peu plus de monde qui a débarqué sur celle-ci. Je suis brave, yes, c'est une bonne chose. Non, il n'y a pas d'autres Français. Ils sont en bataille, mais ils sont là. Il y a du monde, donc il faut se préparer. Il faudrait peut-être préparer une 51 navires, ce serait top. Voilà, comme ça on sera bien. Bon, allez les affronter sur leur sol une fois qu'on aura tout notre territoire. Si on a perdu un intendant, c'est triste. On va nommer toi. Félicitations. Fusionner. Entrer. Et on va envoyer ça dans ce coin-ci. Faudrait voir si on peut pas passer à investiture. On s'en fout. Régulage. Régulation, il faudrait passer en illégal. Non.
Toi, je peux. Pourquoi tu le fais alors que tu m'aimes bien? Toi, je ne peux pas. Toi, je ne peux pas. J'ai pas un plus 10. On va aller se poser sur Paris en attendant qu'il bouge, parce qu'on sait où il est. Bah oui, on va... Quoi? Attends, deux secondes. Stone Age tombant en ruine. Réparation sur le champ. Je sais pas si il est passé de 4 à 3. De toute façon, je peux pas le faire monter. Parce que je suis pas... Il est endommagé. Où voit-on qu'il est endommagé? En tout cas, je vais le faire... Je vais bosser dessus. Alors ici, ah là ça, les bateaux je vais les préparer, on ira tout de suite là dans le coin. Parce qu'on aura peut-être pas été les plus participatifs, j'en en ai loin. Mais si on peut un peu aider après notre guerre. On a pris Paris. Soldats ont pris d'assaut Paris, et attendez-moi, on va essayer de les arrêter. Offrir pêche. Alors, je suis une menace à 40%, ça passe. Accorder un titre foncier, tout ce qui est en dessous de Nidaros, non. De ça ici, Vestlandet. C'est lui. Ah, il l'a. Donc, je peux usurper Vestlandet ou pas? Non, parce qu'il est en guerre. Ah, ça c'est parti. Mais je vais offrir Bergenus et Fjord alors. Est-ce qu'on attend un peu? Ici, toi, tu vas être un combattant. Toi, tu seras un religieux, enfin un érudit. On vient ici, s'il vous plaît, rendez-vous à Jérusalem. Et on peut créer Vestlandet. Qui est grand, mais je vais lui donner le duché, mais pas tout. Accorder un titre foncier, Vestlandet. Mais pas tout ce qui est en dessous. Donc ces deux-là, je les garde. Par contre, mon conseil, il faut absolument que mon chapelain, je ne sais pas, mon maître espion peut-être, il ne m'aime pas. On peut pas nommer quelqu'un. Si, il est nul. Il sera meilleur en chapelain. Ah, je peux pas le nommer en chapelain, fais chier. Il sera peut-être... Est-ce que mon maréchal me soutient ici? Mon conseil, juste l'intendant qu'il faut pas toucher. Conseiller, ben voilà, c'est très bon. Est-ce que si je veux passer ici... 3 pour toi. 3 pour 3. Pour le moment, il n'y a personne d'autre qui me kiffe. Ça passerait peut-être. C'est quoi, on va tenter. Passer en... Elles arrivent. Ça, par contre, c'est nouveau. Ça, j'ai jamais eu ce genre d'event. En tout cas, je m'en rappelle pas. Ah bah il s'est repassé à mon 24. Ah, ça a été approuvé. Nickel. Normalement les terres sont plus censées quitter notre pays. Mais deux secondes. Jamais. Deus Vult. Zèle et cruel. Guerrier saint.
Dieu nous guide dans cette guerre juste. Il faut que je vois. Vu que là j'ai bien participé ici, je suis en... moi je suis en... j'en suis loin. J'ai fait une toute petite bataille. Ça c'est parfait. Une fois qu'ils seront barrés, je pourrai aller reprendre Hébron. Pas Jérusalem, mais Hébron. Trop de terre, j'ai reçu quoi? Ah, j'ai reçu ces trois-là. Mon frère, toi tu as déjà un... C'est mon frère? Oui. Il faut que je nomme... Déclarer la paix dans le pays, très bien. Par opinion, toi tu me kiffes, mais toi t'es ambitieux, toi tu m'aimes bien. Accorder un titre foncier, Berengus. Sogne. Ford. Westlandet. Très bien, les missions qui vont bien là. On a des Fraticelli. On va essayer de les éliminer. Là c'est du germanique. Les germaniques sont pas trop chiants, donc Osef. Répondre la foi, je donne de l'or. De toute façon, si on gagne cette croisade, qu'on ait que notre famille ait des terres ou pas, on aura des cadeaux. Donc. Et fuck. SOS. Ah bah super. Super l'aide. J'aide le pape et lui ce qu'il fait c'est qu'il se barre. Et là, j'ai plus de troupes. Quoi? On ne me fera pas chanter. Je baisse mes armées. Quoi que. Faut que je fasse exécuter, lui. Non, ça passera pas. Combien d'armées? 4000. Bon, bah, je vais baisser mes troupes. Je suis venu. Vous m'avez abandonné. On va attendre un peu et puis on reviendra si besoin est, mais... C'est quoi ça? Super. Alors, combien je gagne? Je gagne 17, donc il faudrait peut-être engager un à 15 ou 12 ici, très bien. On va attendre un peu que là ça remonte en fait. Vous tous, on sera 4000 ici, vous faites ça. Vous, partez là-haut. Vous, on vous démobilise. Ah, il y a des gens qui viennent dans cette guerre, des vétérans. Alors ici, maréchal. J'ai trop de terre. J'ai trop de terre, pourquoi? J'ai reçu ceci. Je vais le donner à lui, accorder un titre foncier. Duché d'Wessex.
Ça devrait, franchement, à part ce souci de croisade, on y a participé. Donc, qu'on gagne ou qu'on perde, hein. Mais là, on avait des problèmes au pays, on est tout de suite rentré. Niveau thune, on est limite en positif, mais limite. Et ça, c'est quoi? C'est une révolte. Révolte suédoise, simplement. C'est rien, ça. Viens ici. D'une à la fois, je pense qu'on va commencer par celle-là. Hein. C'est la plus simple. Non, sérieux. Il y en a ras le cul. C'est le troisième qui crève. Oui, on va participer. Choisir, ce sera pour elle. Position, mon bénéficiaire. Est-ce que je suis engagé? Mon objectif. Putain, c'est le quatrième qui monte sur le trône ici dans cet épisode. Putain, c'est quoi ces rois, quoi? On va finir la série parce que toute notre famille aura été décimée. Matériel de siège, tolérance... Pratique commerciale, très bien. Ici. Régent désigné, notre conseil. On va jarter le maître espion. Faut que je prenne une de leurs terres parce que sinon ils ont toutes leurs terres, patati patata. Par contre non, tu vas pas participer au combat, merci. Alliance barre. Est-ce qu'on peut pas viser une paix blanche avec eux? Non. Barre-toi. Bah oui, on a perdu. Bah j'ai ramené des renforts encore. Va les chercher s'il te plaît. Ah, mais très bien, on a construit la première étape de la ville, mais ça attendra vu que là on est en guerre. Et que la thune, on va en manquer si on fait ça. Donc on attendra la fin de la croisade. Pourquoi il a du score ? Oh, va te faire foutre, il a repris le contrôle de ça. Voilà, il contrôle pas toutes ses propriétés. Ici, on va reprendre le contrôle là. Voilà, 50%, je peux te faire une paix blanche. Voilà.
Espérons que ça suffise. Par contre, 75% pour la croisade, et je me demande, parce qu'on n'avait pas participé autant, est-ce que le fait de cette rébellion ne nous a pas fait monter en score? À mon avis, fortement, quoi. À mon avis, il y a de fortes chances que cette rébellion nous ait fait monter en score. Alors, est-ce qu'il y a un truc faible dans le coin? On va se mettre sur celui-là. Le mieux, ouais, le mieux, ça va être de l'attaquer. Par contre, on va mettre... ...87%. Choisir, ben ce sera ma cousine. On va faire un petit don. Le temps qu'on arrive, qu'il soit, enfin le temps qu'on arrive, il sera bloqué sur sa position. ...93, on va pas pouvoir faire beaucoup plus. Ah non, il faut pas contrôler, on s'en fout de ses propriétés. Il faut juste le pourchasser. Enfin si, on prendra ses propriétés. Ici, ça devrait être un peu plus pauvre, j'espère. Non. Embaucher un physicien de la cour, oui. Faire couronner, ça attendra. Oups. On va aller sur sa capitale. On est presque 50%. Pas pouvoir retourner voir la croisade. Mais j'espère que le pape comprendra que... une femme accusée de sorcellerie... Libérez-la, bande de fous. Ça, par contre, je vais le garder. Hein. C'est les descendants des Normands, donc... T'inquiète pas, on va te pourchasser, mon grand. Et tu ne t'en sortiras pas. 98, donc on va avoir un état de Jérusalem, 100%, mais nous on va avoir une belle paix. Croisé victorieux, la victoire a été accordée par Dieu au doge sérénissime, Ordé la Faux de Venise dans la croisade pour Jérusalem. Le calife Suhail a été battu à chaque occasion, durant la guerre et finalement dû renoncer à ses propriétés. Josh Serenissime a accordé les nouvelles terres à Jérusalem. Oui, maintenant, d'accord, louons Dieu. Il y a Jérusalem et il y a Ascalon qui n'est pas Jérusalem. C'est très bizarre. Est-ce qu'on a notre... Ah, ben voilà. Elle est duchesse de toute cette partie-là. Par Agnatico Cognatic. Mais c'est rien, on a de la famille là-bas, donc c'est bon. On a max de blé, max de prestige, max de ceci, cela. Donc, ici. Est-ce que... Non, Stonehenge... Si, Stonehenge est chez nous. On peut pas le réparer. Par contre, ceci qui est aussi chez nous, ça...
Qui pètera en fait, hein, mais on s'en fout. Que va-t-on faire? Gardien des profondeurs? Chambre de torture, non, on va éviter. L'auberge, péage routier, je vais mettre... les impôts plus 10%. Ben on va faire ça. Le modificateur local d'impôts plus 10%. Et bien sûr, on va l'augmenter en étape 2. Et on va également améliorer, construire des terrains d'entraînement. On va également construire un hôpital. Et faire évoluer... Enfin, construire une université aussi. La dame en Outre-Jourdain. Non, la Norvest, c'est chez moi. On va pas jouer. J'aurais pu, hein, mais j'ai pas trop envie. Peut-être une autre fois quand ils auront perdu et qu'on fera une autre croisade. Donc là, on peut baisser les bateaux. Il faut que je vois parce que j'ai sûrement reçu des artefacts. Non, la lignée, c'est bien, mais on s'en fout. Ici, artefacts, bracelet en or, lance occitane de la croix, os de Saint-Joseph, os d'un saint. Ça, on peut les détruire. Voilà. Me feriez-vous de l'honneur... la belle, oui. Oh. S'il est de s'enfuir, dommage. C'est pas avec 300 hommes que tu vas aller capturer ma capitale, mon grand. Voilà, 100%. Offrir paix, arrestation. Voilà, alors on va voir. Que puis-je faire? On va commencer par organiser une cérémonie de couronnement. Par un évêque. Toi, tu es sous lui. Ben, je vais te révoquer un titre. Chez des sexes. Révoquer un autre titre. Est-ce que je peux... Oui, on s'en fout. On va lui révoquer Estangli. Révoquer un titre. Somerset. Donc ici, Somerset, je vais l'accorder à toi. Accorder un titre foncier. Tout ce qui est en dessous du duché de Somerset. Ici, toi, accorder un titre foncier. Tout ce qui est en dessous de Estangli. Même t'envoyer un petit cadeau. Ici, toi, tu vas passer le reste de tes jours en prison. Ici, Anjou. Je ne peux pas l'usurper. Ben, je vais donner ça à la Normandie. Alors, transférer le vassalage. Maine. Ok, non, tu n'es... Voilà, c'est toi. Transférer le vassalage. Non, transférer, pas soustraire. Maine. Et... Perche. Mes vassaux, je suis sûr que mes vassaux me détestent. Toi tu me détestes, on s'en fout. Toi tu me détestes, on s'en fout. Toi merci, tu me détestes pourtant. Ah non, ça c'est celui-là qui me déteste. Il veut le titre d'angle roi d'Angleterre, on va pas lui accorder. Ici, toi tu m'aimes pas trop, mais je vais t'accorder le titre du royaume du duché des sexes. Voilà, trop de vassaux. 26 sur 25. Vassaux. Ah, ici. Mais tu sais quoi, toi, je vais la transférer à lui. Transférer le vassalage. Faut que je regarde ici. C'est bon, ça. Ah ben, ça c'est à qui? Ça c'est à l'Écosse? Non, ça c'est à nous, c'est le duche de Féroé, oui. Orcade... Faut que je regarde. Ici, ah ben c'est lui, non? Ouais, ça appartient à lui. Par rang, j'ai rangé par rang. Duchesse, duc, 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 duc,
grand chef, duc, duchesse. Si on a un compte. Ah, toi. Mais toi, je te garde, en fait. Ah, il y a lui aussi. Lui, ben, je vais te bannir. Je peux te bannir ? Je vais t'envoyer aux oubliettes, alors. J'attends mon couronnement. Très bien. Cérémonie somptueuse. Ceux-là, on peut... J'ai l'argent pour leur faire des cadeaux, donc on va le faire. Je sais, je suis pas le plus meilleur des rois, mais j'ai dû gérer un problème qui tenait depuis les 5 derniers rois. Hein. Quand on regarde, il y en a eu beaucoup, donc voilà. Proposer une vassalisation, je ne peux pas. Renouveau du djihad. Tu m'en diras des nouvelles. Ça, tu devrais être... Tu devrais te mettre avec Jérusalem. J'étais une indulgence. Commander une pierre runique pour Magnus. C'est la deuxième ou troisième pierre que je fais pour Magnus. Je suis roi. Du coup, on m'apprécie de plus en plus. Et est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Royaume d'Angleterre? Non, on va éviter de te le donner le royaume, oui. Organiser un tournoi. Mais c'est rien, je sens que ça va s'estomper. Bah, franchement, cet épisode, je l'ai pas vu passer. On a eu la croisade, donc la première croisade. On a eu l'annexion du Pays de Galles. Déclarer la guerre, vassalisation forcée. Je pourrais faire une vassalisation forcée. Mon conseil. Bah, il y a personne qui est pour moi, donc... Je ne suis aimé de personne, d'accord. J'ai toujours trop de vassaux. Sauf que j'ai qu'un compte, c'est ça le problème. Est-ce que ici je pourrais changer moyenne? Ça me fait... Là je perds une terre. Non, on va éviter. Révoquer des titres. Non, administration tardive. Tous contre. Super. Non mais ça, ils veulent tous un cadeau, c'est ça? En mémoire de Magnus, très bien. Je suis qu'à 17%, donc prochain épisode, on pourra se refaire une série de vassalisations forcées. Ici, tac, tac, on pourra faire là, on pourra peut-être même devenir empereur. Suis-je loin d'un empire? Non, mais moi, c'est ça qu'il me faut. Angleterre. Créé, je suis à 64%. J'ai un truc qui tournait en fond, je l'avais pas coupé. Ouais, non, ça, je m'en fous du prix et machin chouette. Ça, j'ai pas de soucis, mais ouais. On l'a bientôt, hein, franchement. Est-ce que je peux passer en famille nombreuse? Oui, j'ai pas le choix. Faut que je booste et que j'ai un maximum d'enfants parce que... La dynastie, elle est bientôt finie. Hein. Même si ma cousine, t'es mariée? Non, arranger un mariage entre toi et... Tu as quel âge? Tu as 16 ans. Toi et lui? Tu ne veux pas en matrilinéaire? Fuck. Marie-toi. Tout ce que je te demande. Ici, arranger un mariage. Non, arranger des fiançailles matrilinéaires. T'es ma fille, donc t'es sous moi. Arranger des fiançailles de manière matrilinéaire. Non, apparemment ça veut pas. Par contre, mon héritier, tu n'es pas marié? On va te trouver une épouse quelque part, en Pologne peut-être.
4 ans. Ouais, ça me paraît un peu beaucoup. Petcheneg. Pas fan des Petcheneg. Qu'on va éviter. En France, ils voudront pas. Castille, peut-être. Navarre. Navarre, y a rien. Castille, avez-vous une jeune... Non. Peut-être ici. Non. Non. Et non. Dans le Saint-Empire, on a quoi? On a un royaume de Bohème. 0 ans. Ouais, ça me paraît un peu jeune quand même, 0 ans. Le russe de Kiev. Marié. 13 ans. Arrangé des fiançailles entre elle et mon héritier. Matrilinéaire. Is... Ça risque d'être très chiant de trouver quelqu'un. Ah, mais ici, Jérusalem. Ranger des fiançailles entre elle et mon fils. Voilà. Et ici, est-ce que je peux... arranger des alliances avec Venise. C'est ça le truc. Il faut jouer un maximum d'alliances. Donc ici, Venise... Je peux pas forger d'alliance. Moment, on se fait des amis. Ça, c'est une bonne chose. Indépendance. Non, pas indépendance. Vous allez vous calmer avec les indépendances. Voilà, là j'ai fait, il y a plein de trucs qui... plus en plus de personnes cherchent un toit, ben je vais faire les préparatifs. C'est Dieu qui a rendu ça possible. Est-ce que je suis zélé? C'est très bien. Putain, on dirait que je suis un elfe. Annulé, on va juste rajouter un peu de barbe. Un peu, c'est un jeune. Ah ben ça me va très bien. Je suis un peu moins elfe comme ça. Maître espion. Ah, ici, il y en a quelques-uns qui m'aiment bien. Toi, t'es doué en diplomatie. Et toi, t'es doué en combat. Très bien. Donc, diplomatie. On en a à 12. Qui m'apprécie. Et là, on en a à 27. Voilà. Et donc, maintenant, si je veux faire un changement dans le pays, si je veux passer à ceci, voilà. Et je fais un gros fuck. Je sais pas si ça a changé quelque chose, ça donne quoi? Barrer des titres héréditaires des traîtres. Prisonnier, toi. Révoquer un titre. Je vais révoquer son duché. Non, là, ils accepteraient pas, mais je vais lui accorder à lui le duché de Kent. Et toi? Je peux te bannir. Je peux t'exécuter, on va éviter. Je vais juste te libère, allez, parce que j'ai montré que je suis bon. Et toi, est-ce que je peux faire quoi? Je vais te libérer aussi. De toute façon, tu me poseras plus de soucis, tu n'es plus directement sous moi. Accepté. Maître espion. Toi, voilà. Je pourrais faire excommunier la Bretonne. Mais je m'en fous, je l'aime bien moi la Bretonne. Si elle avait pas été fiancée avec un gamin, je l'aurais demandé en mariage. Est-ce que j'ai le droit de déclarer la guerre? Non, j'ai pas de revendication. Et ici, pas de revendication. 15%. Ouais, mais vous inquiétez pas qu'une fois qu'on aura... Ah, j'ai eu un fils, on va l'appeler Gudrod. Je suis Harald V de Norvège quand même, juste pour voir. Royaume de Norvège, historique. On a commencé à Magnus II, c'est ça? Non, à Harald IV. Magnus II. Olaf III. Archangel.
Et Harald 5. Ah, oh là, on peut voir, donc c'était Harald blond, jusqu'à Harald 2, puis Harald 3, là, c'était la dent bleue. Ah tiens. Donc c'était le roi du Danemark, puis c'est repassé à un Yngling. Oh ouais, c'était très lié nos histoires. Nordland a été converti, ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est genre ça et ça. Le reste, Osef, c'est les Cathares qui m'inquiètent. Par contre, bah on a bien joué ici dans cet épisode, il a bien avancé, on a fondé Jérusalem, on a posé notre famille à Jérusalem, on a augmenté notre construction, on a un peu avancé. Prochain épisode, on finit le Pays de Galles, on bouffe un peu plus d'Irlande. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.